Moi, je m'appelle Memba Diabaté, né au Sénégal, un village qui s'appelle Pakaw Sobali. Pakaw Sobali, c'est un village de griots. Donc les griots, nous sommes des messagers. Les griots, c'est quelqu'un qui est toujours à côté des rois, qui prend les messages du roi, dit le peuple. Voilà, donc moi, je suis né au village de Casamance. Depuis à l'âge de 7 ans, je commence à jouer cet instrument là, la kora. C'est un instrument de famille. Ce n'est pas un instrument que tu sors pour aller apprendre. Tu apprends ça dans la maison même. Donc moi, je suis parti en famille griot. Mon ancêtre, mon papa, ma mère, mon frère, cet instrument qu'on joue. C'était un instrument de à nous-mêmes.
La kora, c'est un instrument traditionnel, mandingue. La kora, c'était la bois spéciale et les pots des vaches, voilà, et les calabasses. Voilà, la kora, c'était avant, c'était. Il avait 7 cordes, mais maintenant, on avait 21 cordes. Voilà, donc c'est ça, la kora, c'est un instrument très mystique. Voilà, un instrument vraiment qu'on joue, que les rois, les grandes personnalités. Avant, la kora, on ne joue pas comme ça, comme ça. On ne joue pas tous les endroits. Il y a des endroits spéciaux pour la kora. Voilà, maintenant, le monde évolue. Voilà, maintenant, on peut jouer la kora avec l'orchestre. On peut jouer avec n'importe quel endroit. Voilà, mais avant, la kora, ce n'est pas tout le monde qui attend la kora. Ce n'est pas tout le monde qui écoute la kora. La kora, ça joue des endroits spéciaux. Voilà, donc c'est ça la kora. J'ai décidé pour être musicien international, musicien à tout le monde, pas musicien seulement mon peuple, quoi. Pas seulement en mandingue, pas seulement au Sénégal, quoi, partout dans le monde. Parce que c'est normal, on sort avec notre culture que les gens ne savent pas et savoir comment la kora, comment on dit le griot. Donc c'est pour cela, moi j'ai essayé de sortir au Sénégal, aller montrer les d'autres personnes qui ne connaissent pas la kora, qui ne connaissent pas les mandingues, qui ne connaissent pas les langues mandingues. Donc c'est pour cela. Thank you.
La musique, c'est la façon dont le personne s'exprime. Chacun a son âme qui est un peu particulière à l'autre. Donc les cultures sont différentes et chacun s'exprime par rapport à ce qu'il a allaité en fait. Donc quand on fait la musique, c'est pour s'exprimer, c'est pour communiquer, c'est pour parler au peuple. Donc chaque peuple avait sa culture et chaque peuple a sa valeur. Donc tout le monde s'exprime de sa manière. Et pour parler de l'amour, c'est la vie. Moi, je crois que sans amour, on ne peut rien faire. On peut pas vivre sans amour. Donc ce qui manque dans ce monde aujourd'hui, c'est de l'amour. L'amour en soi d'abord, qui passe par l'autre. Parce que sans l'amour en soi, tu ne peux pas donner de l'amour à l'autre. Donc l'amour, je crois que c'est la vie et c'est partagé. Thank you. Very cool. It's good. Yeah. Very good. Thank you, brother. Thank you. Yeah. It was really Thank you. Fun. So beautiful.